Bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Aujourd'hui, je suis là pour s'ouvrir cette petite boîte. Je n'ai encore jamais ouvert. Lost, ça veut dire chat, je suppose, qui se cache dedans. Voilà, le packaging comme ça. Vous voyez le prix que je l'ai acheté. Je l'ai acheté à Maxi Toys. Du coup, je me... Voilà, on voit un petit peu... Qu'est-ce qu'il y a? Vous inquiétez pas si vous voyez le papier collant. C'est moi qui l'ai ouvert brusquement. Là aussi, j'ai ouvert. J'étais pressée de l'ouvrir. Voilà. On a 20 surprises. Trouvez les 20 surprises. Voilà. Alors, je vois qu'il y a des petits bonhommes comme ceci. 5, 10 poissons et 5 boîtes. Je ne sais pas c'est quoi. Du coup, voilà. Du coup, je l'ai payé. 9,96, je trouve que c'est pas cher pour ce que c'est. Les petites boîtes, elles sont même prix, du coup j'ai pris la grande. Voilà. Du coup, on va s'ouvrir ça. Je sais pas comment ça va, on va regarder à ça. Du coup, j'ouvre, je prends la petite boîte. Voilà, ça se trouve comme ceci. Voilà. Il y a un petit fling. Voilà, on va regarder à ça. J'aurais dû prendre une boîte pour mettre dedans. Je reviens tout de suite. Voilà, je suis là. J'ai pris un plateau. Comme ça, je vais mettre parce que on m'a dit que c'était du sable. Du coup, je n'ai pas envie d'en mettre partout. Voilà, j'ai appris fort. J'essaye de enlever tout ce qu'il y a. Je vois. Un collant. Je vois. En fait, c'est de la pâte à modeler. C'est chouette. Regardez pour une boîte pour le mettre dedans pour essayer qu'elle ne colle, qu'elle sèche pas trop. Du coup, je vois qu'ici on a un petit truc. J'ai pris mes ciseaux avec moi. Hop, on va ouvrir ça. On va se regarder ça. J'ai la pâte partout. C'est un autocollant d'un petit chat très mignon. Voilà, je vais le mettre sur le côté. Voilà. Je ne sais pas si ça nous... si ça nous spoile un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. On verra bien. C'est la première fois que j'ouvre, du coup, je ne sais pas. J'ouvre le deuxième. C'est aussi un autocollant, un petit chat avec une toupie. Et là, vous voyez... Il y a des petits sachets. On va essayer de prendre le petit sachet. Hop. J'essaie de pas mettre trop de... Ah, là, je vois qu'il y a... Allez, on ouvre le petit sachet. Hop. Oh, c'est trop mignon. Et t'as un petit chat. Et j'en ai un qui fait des bêtises, là. Bunny! Qui est trop chou. Trop chou. J'aime bien la couleur. Trop chou. Du coup, on va regarder à l'autre petit sachet qui est... Ah, je vois qu'il y a deux petits... Là, je vois qu'il y a une toupie. Ah ben oui, c'est le chat. En fait, c'est la figurine là qu'on vient d'avoir avec la toupie. Du coup, ça spoil un petit peu. Du coup, on fera les choses autrement pour le prochain paquet. Bon, je laverai ça plus approfondi après. Voilà la petite toupie qui va avec. Trop mignon. Je mets de côté juste ici pour pas que ça reste dans le... J'aime bien, mais quand même. Et l'autre, alors, c'est une gamelle. C'est une gamelle. Ouais. Si, je pense que c'est un peu pour faire monter la pâte à modeler dedans et ça vous fait justement une forme dedans. Voilà. Bon, je nettoyerai ça plus approfondi après. Voilà.
Alors, on s'ouvre le deuxième petit sachet. Je cherche l'autre, il y avait. Hop, ça s'ouvre tout facilement. Hop. Oh, qu'il est trop mignon. Un gros petit chat. Voilà, il est trop mignon. Il va aller avec son copain. Alors, je prends un autre. Vous voyez, hop, je prends un deuxième. Celui-là, c'est couleur chocolat. Du coup, on ne va pas les mélanger. Voilà. Alors, on souffle le petit plastique que je mets de côté. Allez, on cherche. C'est amusant, c'est cool. Du coup, j'ai retiré et je les mets sur mon plateau en attendant. Là, j'ai le premier. Hop. C'est bien, ça fait de la plastificine. Que je donnerai certainement à la petite. Du coup, voilà. Allez, on souffle. Oh, j'ai plein dans les doigts. J'ai peur de salir la figurine. Désolée de tousser. Oh, un petit chat pizza. Il est trop mignon. J'adore, j'adore. J'aime bien ces petites figurines. Alors, est-ce qu'il y a encore quelque chose? Ah, je sens un truc là. Je suppose que ça va avec. Vous voyez, ça fait des trucs dedans. Quand il y a pas une dedans. C'est un hot dog. Comme ceci. Bon, là, il y a de la plasticine dedans. Voilà. Un petit hot dog. Je regarde s'il n'y a rien d'autre. Là, il y a un petit. On va essayer d'avoir. Ça colle bien. Hop. Allez, on va retirer tout ça. Hop. J'adore, c'est trop chouette à jouer avec. Du coup, cette vidéo, elle sera un peu longue. Je suis en ai désolée. On va retirer pour pas mettre toute la plasticine partout. Et voilà notre figurine qu'on a reçue. Je nettoyerai ça après correctement. Hop. Hop. J'aurais fait ça, avant les poubelles. Hein. Alors, on prend une autre. Oh, rose. Trop chouette. J'aime bien la couleur. On essaie de pas trop mélanger les couleurs sur les doigts. Alors, on s'ouvre. Troisième. Allez, on creuse. J'ai un truc juste là. J'aime bien celle-ci, elle est belle. Je sais pas si vous voyez, mais elle est fort flash. Belle couleur. Allez, viens à moi. Petit paquet de... petite figurine. Ça colle bien. J'en ai partout. Je retire le plus gros. Hop. Je fais en temps réel. Allez. C'est une bonne idée qu'ils ont fait des petits pointillés comme ça. On va la pousser un petit peu pour qu'on ne se spawn pas tout de suite. Voilà. On voit un machin vert. J'ai encore plein de bazar sur mes doigts. Allez. On prend. Oh, qu'il est trop chou. Je n'étais pas dans le champ de caméra. Un petit chat qui dort. Excusez-moi, mais j'ai plein de plasticine. Plasticine. Trop chou. Un petit chat qui fait toutou. Je vous montrerai tout à la fin. Là, j'ai son petit. Oh, je passerai tout à l'eau, je pense. Pour retirer. Bon, je suppose que c'est son gobelet. Ouais, on voit. Son petit gobelet. Ouais. Mais il y a toute la
plasticine dessus. On fera ça hors caméra, tout nettoyer correctement. Voilà. Voilà. Du coup, dans le fond, je chope. Hop, c'est bien collé. Je vous dis. Du coup, c'est le petit collant qui est comme ceci, avec le petit chat qui fait dodo. Très beau aussi celui-là. Bon, je vais pas le retirer. Je vais laisser comme ça. Voilà, je remets la plasticine dans son machin. Voilà. Je vais mettre de côté. Alors, le... Oh. Il est beau le petit petite boîte. Ah, c'est une spéciale celui-là. Je ne sais pas. Regardez, il est dans une boîte celui-ci. Je ne sais pas pourquoi. Ah oui, c'est un spécial couleur. Regardez qu'il est beau. On ne voit pas trop avec le plastique. Plastique. Il y a des petites trucs dedans. Bon, allez, on va chercher. Ah, j'ai un truc là. On va sortir ce que je trouve. Voilà. C'est une petite gamelle en forme de poisson. Un petit poisson. Je sais pas si vous avez bien vu. Je vous remonte. Voilà. Hop. On va d'abord attraper ça. Ça a l'air bien gros celui-ci. Regardez, il a l'air bien costaud. Bon, je cherche après. Hop. L'ouverture. Et c'est... Oh ! Ah oui, c'est un spécial. Je sais plus où j'ai fait, tomber le carton. C'est un spécial celui-ci. Il est trop chou. Il est dans un papier. Il est trop trop chou. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Du coup, ah ben, j'ai encore un truc là. Je suppose que c'est son jouet. Truc rond. Je m'en parle. La plasticine, il y en a partout. Hein. Elles auraient dû emballer les jouets. Voilà. Et alors, on va essayer de choper le petit étiquette qui est très belle. Je crois que dans celui-ci, il y en a plusieurs. Du coup, je vais vite l'ouvrir pour voir. J'ai peur d'en mettre partout. J'en ai partout sur les doigts. Regardez. Ah ouais, ça c'est celui qu'on a. Oh ben, c'est celui qu'on a en plusieurs fois. Ah ben oui, c'est en plusieurs langues. À la casse. À la caisse. Excusez-moi, mais c'est le chat qui fait des bêtises. Bunny, tu as fini? Dites-moi dans les commentaires dans quoi je peux mettre pour qu'elle ne sèche pas la pâte. Alors, je vois qu'il y a encore quelques trucs. On va continuer. Hop, ben, c'est fini. C'est la fin. C'est fini, il n'y a plus rien. Du coup, ça c'est des cartons. Voilà, ça c'est un papier. Ça c'est un petit flot. Flyers, on va regarder en vie. Peut-être. Eh ben voilà tout ce qu'on peut avoir. Je suppose. Ah ben oui, nous on a eu celui-ci. Et on pouvait avoir celui-là. Oh, j'aurais bien aimé avoir celui-là. Après, les autres, on a eu la pizza. On a eu le chat ici. Et l'autre, je ne le trouve pas. Et voilà le flyer, c'est-à-dire qu'il est... Et petit chat. Très mignon. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà ouvert ce truc-ci. Ici, j'ai encore trois petites
pâte. Bien sûr, il me faut mes petits ciseaux. Bunny! Je sais pas. Ils sont attachés. J'arrive pas à les détacher. Il y a du papier collant. Hop, 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 hop. Voilà. Hop. Regardez, j'ai mon puni qui fait des bêtises. Des bêtises. On se remet et on va ouvrir le petit. Les quatre. J'ai quatre petits pots à ouvrir. On va regarder à ça. Bunny. Non, je sais pas. C'est aussi de la pâte. Ça fait pouch. Et le machin, il est là dans le fond. Je le sens. C'est pas facile à avoir. Les convertir et la pâte. Ah, ça y est. Quoi? Oh, un petit objet. Une boisson. Ouais, c'est un petit gobelet. Qu'on va mettre avec. Hop. On souffle le deuxième petit gobelet. Allez, je vais pas savoir la voir. Pas grave, on va faire à trois avec les ciseaux. C'est mieux quand on sait pas avoir ce qu'on veut. J'ai bien fait ça sur un plateau parce que j'en aurais partout. Bon, allez, on va retirer la pâte et on va mettre dans l'autre. Hop, hop. J'essaye d'avoir. En même temps, je le remplis dans l'autre. C'est le chat qui me casse les pieds là. Et là, j'ai une petite cuillère. Je sais, parce que ça colle là même. Hein. Petite cuillère toute mimi. Toute mimi, petite cuillère. J'en ai une qui va être jalouse parce que je l'ai ouvert sans elle, ma petite voisine. Quand elle l'a vu, elle m'a dit, on ouvre ça ensemble. Et non, j'avais pas envie. Moi, là, elle aime tout me piquer après. C'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment, ça fait, il y avait longtemps que j'avais plus joué que la pâte. Allez, on cherche le petit objet qui se trouve juste là. Je l'ai trouvé et caché là. Je sais pas c'est quoi. Oh, un pinceau. Un petit pinceau. Je remets la pâte. Je décolle un peu de mes doigts. Je sais pas si vous voyez bien. C'est tout petit. C'est minuscule. On dirait un truc pour les poupées. C'est un petit pinceau. Un petit pinceau. C'est vraiment minuscule. Hein. Je sais pas si vous voyez, ça peut faire quoi comme taille. Mais c'est minuscule. Très minuscule. Voilà. Et il m'en reste le dernier. Désolée de tousser. Mais j'ai eu la grippe et la toux ne veut pas partir. C'est emmerdant. Ennuyant. Pour pas dire de bêtises. Je me rattrape. Alors, on va faire le dernier gobelet. Allez, hop, je me la passe dans l'autre. J'ai attrapé l'objet. Hop, hop. C'est aussi un petit truc rose. Oh, j'en ai plein les doigts. On leur tire qu'il est là. Oh, c'est un joli petit canard. Regardez. Canard au bord de l'eau. Il est trop mignon. C'est un petit canard. J'adore. J'adore cette figurine.
Je reviens, je me lave les mains et on fait le point sur tout ce qu'on a eu. Et je suis de retour et voilà ce qu'on a eu. On a eu quand même pas mal de petites choses. Du coup, je vous remonte. On a eu ce petit chat caché dans un petit sac qui est une édition spéciale. On a eu un gros chat, très mignon. Alors, on a eu un autre qui faisait à moitié dodo, je trouve très mignon. Voilà, un autre dans sa pizza. Oups! Il veut pas rester avec moi. Qui reste dans sa pizza. L'autre avec un petit chat trop mignon. Mais pensez un peu au chat d'Alice. Comme ceci. Et puis, on a eu tous ces petits objets. Un pinceau, une cuillère, un canard, une gamelle, une toupie. Une toupie. Deux gobelets, un hot dog. Et je sais pas exactement ce que c'est. J'ai pas encore nettoyé. Hein. J'ai juste lavé mes mains et débarrassé la table. Du coup, voilà. N'oubliez pas, à chaque fois que vous jouez avec la pâte à modeler, de vous laver les mains parce que c'est chimique et c'est pas propre pour les enfants. Il faut laver les mains pour pas les mettre en bouche. N'oubliez pas de les laver, surtout, c'est important. Dites-moi dans lequel que vous avez préféré. Moi, j'en ai deux préférents. Enfin, j'hésite entre ces trois-là, en fait. Voilà, ces trois-ci que j'adore. Le petit chat qui dort, le chat, on dirait le chat d'Alice, et celui qui se cache. Dites-moi lequel que vous aimeriez bien me piquer. Voilà, et j'espère que cette vidéo vous a plu, et je suis désolée qu'elle soit longue, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!